beaucoup. Nous sommes de retour depuis hier, même avant-hier, des Sables d'Olonne. Eric est allé chercher hier à l'aéroport son fils qui est là pour 2-3 jours. Du coup, bah, ce midi, on va manger, je pense, dans une crêperie. Et au retour, je vous montre ce que je vous disais en fin de vidéo dernière, mes achats. C'est tout bleu. Ah non, ça y est, c'est revenu en fait. Il y a une stabilisation qui vient de se faire, c'est bon. Moi, j'ai pris une moulin de courguin. Qu'est-ce que c'est? C'est de steak haché, patate, un œuf. Je suis restée raisonnable. J'ai pris que 2 boulements de chocolat en dessert. On va rentrer parce qu'il y a plein de choses super chouettes à vous montrer. Et il y aura d'autres choses qui vont arriver, mais ça, ce sera plutôt semaine prochaine. Je vais d'ailleurs faire une revue d'une chose que je vais avoir. Ça fait très longtemps que j'attendais, que je voulais me le prendre et bah, je vais le recevoir. Je suis en train de me dire, est-ce que je laisse la petite intro, ce que vous avez vu juste avant, ou ce que vous n'aurez peut-être pas vu juste avant, ou alors est-ce que je fais juste une vidéo haul? On se pose des questions existentielles, hein, quand on vlog, faut le savoir. Donc je ne sais pas, tant pis, j'enchaîne. Cette année, j'avais envie de me prendre un calendrier de l'Avent, j'en achète jamais, quasiment. Quitte à en prendre un, je voulais qu'il soit vraiment pro. Il y avait 2 marques qui me tentaient, chez Sephora, il y avait Clarins et Clinique, mais comme je voulais pas être spoilée, j'ai demandé à la vendeuse de regarder derrière discrètement sans me dire. Moi, je souhaitais avoir du skincare, soins visage et également beauté, make-up. Et hop, 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 c'est celui-ci qu'il vous faut. À savoir, je fais gaffe parce que derrière, il y a tout, je ne vais pas me spoiler. Le calendrier de l'Avent Clinique, 100 €, mais à l'intérieur, forcément, il y a une valeur plus importante. Je vous ai dit que je ne vloggerai pas en décembre tous les jours, mais par exemple, si je vlog le 1er, bah, on ouvre le 1er. Si après, je revlogue le 5 décembre, bah, on ouvrira ensemble 2, 3, 4, 5. On va faire comme ça. Voilà, je pense que c'est sympa qu'on profite ensemble. Je suis rarement déçue par la marque Clinique en plus. Donc, chez Sephora, j'ai pris ça. J'ai pris également un petit crayon à lèvres, une valeur sûre de la marque Sephora. J'en voulais un, en fait, qui soit... je viens de le retester là vite fait, qui soit suffisamment hydratant pour faire et le contour des lèvres et l'utiliser comme rouge à lèvres. Donc celui-ci, il est parfait, c'est la teinte mauve. J'ai pris également de chez Sephora leur ombre, donc j'ai pris une mono, je crois que je l'avais déjà pris celle-là, un petit marronné comme ça, donc valeur sûre. J'ai pris également un appareil Gyocha, me semble-t-il, pour le contour, l'ovale de ton visage, là au niveau du relâchement sous le cou, du cou. Tu fais les pommettes, tu fais le front, tu travailles tout. J'ai jamais utilisé ça. Et il se présente comme ça. D'abord, je vous dis le laver. Je vais commencer et je vous ferai un petit retour. Mais il faut attendre quand même pas mal d'utilisation. D'après la vendeuse de chez Sephora, elle me disait qu'il y avait de très bons retours. Elle-même l'avait utilisé et ça fonctionne. Ensuite, je suis allée chez Mango. J'aime beaucoup leur parfum. En plus de sentir très bon, ça fait de très jolis objets décoratifs. Il y avait, je crois, 6 senteurs. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller chez Mango, sentez-moi ça. C'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est pas capiteux, ce n'est pas écœurant, c'est très subtil, c'est doux, mais t'as toujours un petit arrière qui est là et qui fait tout. Déjà, packaging, s'il vous plaît. Moi, je vais mettre ça en déco, je trouve ça très élégant, très chic. L'odeur, mais l'odeur... Subtil. J'ai pas les prix, je suis désolée. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a trouvé, la petite? Donc, je commence par le sac à main à 30 et quelques euros. Ça va être vraiment un sac à main un petit peu pour tous les jours pratique. C'est la marque, j'avais déjà bossé avec eux. Ils m'avaient proposé de choisir des vêtements, des jeans, tout ça. C'est très sympa pour une collaboration. Donc, Grain de Malice. J'hésitais parce que le coloris, bon, mais si en fait. Il est, ouais, rose poudré, j'arrive pas trop à définir, donc forcément il y a un petit peu de dorure. Donc j'ai essayé de mettre ma perche avec mon téléphone, c'est parfait, ça c'est vraiment la première chose. On a l'intérieur qui est comme ça, il est joli, il coûte 30, je dirais 34, ouais ça, 34,99. Et ensuite, attention fond l'œil, nous avons Tommy, ah magnifique. Un sac de toute beauté. Il est très très beau. Donc avec le logo, très discret. Il y en avait des un petit peu moins discrets. On est forcément sur du cuir. Avec possibilité donc de le prendre comme ça, tout simplement. Et évidemment, nous avons Lance. Qui est comme ça. J'aime beaucoup. L'intérieur, est-ce qu'on va se rendre compte? Est-ce que... Voilà, si, il y a plein de pochettes différentes. Le test ultime, la perche avec le téléphone rentre.
Le prix, évidemment, 159,90€. Normalement, c'est un, on va dire, transit computer. C'est pour mettre ton ordinateur. Mais moi, ça ne sera pas pour mettre mon ordinateur, comme vous l'aurez compris, parce que je n'ai pas d'ordinateur portable. J'ai juste mon ordinateur de bureau. Si tu achètes un article, le deuxième était à moins 30%. Donc, Eric s'est choisi un t-shirt. Et il coûtait combien? Donc, 49,90€. Et il est passé donc à 30% dans la partie déco. Si vous avez vu mon vlog, je vous ai dit que j'ai craqué sur une petite déco que je voulais même peut-être éventuellement intégrer dans la box. Mais j'ai vu avec la marque, c'est une marque de revente, donc c'est pas eux qui fabriquent, c'est une marque scandinave en plus. Mais j'ai dit tant pis, je l'achète en tout cas pour moi, parce que c'est trop beau, c'est un Soliflore. Donc voilà, petite boîte, c'est beau. Et il y avait plusieurs coloris. J'espère... Ouais, c'est bon. Il a tenu pendant le transport. Il faut que je vous le montre quand même que vous puissiez comprendre le délire. C'est un Soliflore. Voilà. Donc moi je l'ai pris rose poudré. Je crois qu'il était en bleu ciel, blanc. J'hésitais avec le blanc. Le blanc était très sympa aussi. En fait tu mets, là c'est une petite fleur feuille séchée. Elle me l'a mis avec, c'était pas prévu. Mais tu peux mettre de l'eau parce qu'il y a un bouchon en liège. Tu mets ta petite eau si tu veux garder. Tu le remplis. Je vais faire des tests avec d'autres fleurs que je vais cueillir. Mais c'est tellement joli. Ça va bien rendre. Je pense qu'elle a un peu souffert par contre la tige. C'est adorable. 13€. Côté 13€, c'est Scandinavia Form. Je pense qu'on est bon là, hein, pour tous les achats. Je suis très contente, j'ai hâte de vous faire un retour, d'essayer tout ça. Coup de théâtre, nous sommes le lendemain au cadrage. J'étais en plein montage vidéo et là je viens d'avoir un appel d'Eric me disant viens. On vient de trouver avec sa fille un chien. Un chien errant, un chien un peu paumé. Donc il m'a demandé de venir. J'y vais, on va voir ça ensemble. J'ai un trou dans mon legging moi. Non Jack, toi t'as déjà fait assez de dégâts ce matin. Il m'a ramené un oiseau. Je vous passe les détails. Même si je sais, il ne faut pas les gronder parce que c'est normal pour eux. Il était tout fier tout le temps. C'est toujours compliqué. Donc Eric m'envoie ça, ce chien. Apparemment il était assoiffé, petit peur. Vous vous dites, tiens, un vélo pour son fils. Bah alors ? Tiens, il a pas l'air vieux de son, par rapport à son visage. Viens, mon pépère. Viens, mon petit pépère. T'es tout perdu ? T'es tout perdu ? Non, il faut appeler là. C'est pas grave. Il faut appeler les gens, la gendarmerie. Par contre, il est un peu sale. Hein. Regarde. Oh non ! Mais oui, regarde ce qu'il me fait. Il a compris avec qui il a fait. T'as compris que... Tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète, ça se trouve, pour toi, là. Ouais. C'est ça, le truc, hein. Bah, je pense qu'il est pas... Est-ce que t'es un fugueur? Il a l'air d'être en bonne santé, hein. Est-ce que t'es un chien qui fugue, toi? Regarde. Ah, t'es content, hein. Il a pas l'air inquiet, celui-ci. Biou. Ouais, on vient d'appeler la police. Ils arrivent dans 5-10 minutes pour l'identifier. Non, la... Oui, police. Municipale. Police municipale. Bah oui, papa. Il a fait les bêtises, celui-ci, hein. Ah, le bol d'eau arrive. Voilà la police, Biou. Bon, bah cool, on a retrouvé. Sauvetage réussi du petit chien. Le maître nous a remercié. Et là, on a poussé, on est sur Orléans, dans un centre commercial, Cap Saran, où il y a tout plein de magasins. Là, je suis chez Cultura. Je me suis trouvée, c'est vraiment que je veux ça, c'est les manettes pour mettre sur le frigo quand il y a les courses. C'est très pratique, quand tu veux. Il ne veut pas. Et deux, trois petites bricoles. Donc, je pense que je vais aller également, et forcément, à Zodio. Et à Maison du Monde. Je vais chez Zodio, j'adore. Bon, c'est vrai que Zodio, ça donne un peu le tournis. Il y en a partout. Je sais pas comment faut le prendre quand t'as quelqu'un qui interdit la musique. Votre attention, tout le monde, code jaune. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, déjà, j'ai rien acheté, mais il n'y avait surtout rien. J'avais souvenir qu'à chaque fois que j'allais chez Zodio, j'étais quand même impressionnée. Waouh, pas du tout. Je fais des économies. Je vais chez Maison du Monde. Ah, il pleut. Eric, il est parti avec son fils, parce que je ne vais pas venir avec moi là. Il m'a quand même envoyé une photo devant chez Sephora. Mais j'y suis allée il n'y a pas longtemps, donc non. On s'est fait une pause au Columbus Café.
et on a pris des petites choses en même temps à grignoter ce soir. Mais rien acheté, j'ai fait plein de magasins de déco, plein de magasins de fringues, rien. Mais je crois que j'ai déjà fait tellement ces derniers jours de shopping que non. Je t'avoue que la salade là, elle m'intrigue. Ah oui? Parce qu'il y a des choses, je ne sais pas trop, des petites graines, betteraves, chèvres. Par contre, les sandwichs, ils avaient l'air très très bons. Le smoothie. Je vous remercie, c'est tout. Merci. Tiens-nous.